Autre chose, l'ONG CABES, œuvrant dans le secteur de l'environnement, a célébré le week-end dernier la Journée mondiale de l'environnement à travers une cérémonie d'assainissement et de l'aménagement du jardin zoologique de Kinshasa. Sarah Kiné la signe ce reportage. En marge de la Journée mondiale de l'environnement qui lutte contre la déforestation, la désertification et la sécheresse, l'ONG CABES a lancé le go de travaux d'assainissement et des protections de la nature dans le jardin zoologique de Kinshasa en collaboration avec l'ICCN. Prenant la parole, la coordonnatrice adjointe Dorcas Kisala a expliqué en quelques mots les raisons de ces travaux. L'ONG CABES, Kaboum pour la protection de l'environnement et la sécurité sociale, est heureux d'être aujourd'hui au jardin zoologique de Kinshasa, puisque le 5 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'environnement. Et comme thème de l'année, sur le plan international, c'est une seule terre. Pourquoi une seule terre? Puisque la terre est une planète, c'est la seule planète et notre seule maison en fait. Et l'humanité doit préserver toutes les ressources naturelles, et puis c'est dans ces cadres-là que nous sommes ici au niveau du jardin zoologique de Kinshasa. C'est pour assurer l'hygiène et l'assainissement au niveau de ce jardin. L'objectif de ces travaux est d'assurer l'hygiène du parc zoologique de Kinshasa, a dit l'un des membres de l'ONG. On est là pour sensibiliser la population, pour nous combattre la banzété, combattre la retalignement. L'environnement est un peu vivre madame. Sans environnement, tu peux vivre. Alors, si tu es aux Ali, il faut que tu aies une place dans les Ali, dans le Bopeto. Il y a une présence dans le soir. Pour rappel, l'ONG CABES est une association sans but lucratif qui œuvre dans le domaine environnemental, social, éducatif et participe aux actions stratégiques concernant le changement climatique et au développement durable en République démocratique du Congo. Toute collaboration est toujours la bienvenue chez nous ici à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, et plus particulièrement ici au jardin zoologique. Et comme ce que vous voulez faire au jardin zoologique, ce n'est plus dans le cadre de l'assainissement des milieux, c'est vraiment une très bonne chose parce que l'environnement c'est pour nous tous. Nous tous sommes dans l'environnement, il faut que cet environnement soit bien assaini et qui va l'assainir. Tout le monde est acteur de cet assainissement-là.